le maintien à domicile. C'est surtout ça qu'on privilégie. On ne veut pas que nos patients ils aillent à l'hôpital, quoi. Alors, mon métier d'aide-soignante à domicile, on aide les personnes à rester à domicile. On les aide dans des soins d'hygiène. Ça peut être des douches, ça peut être des bains de pieds, ça peut être mettre des bas à varis, ça peut être donner des médicaments, des aides à l'habillage, servir le petit déjeuner, chercher le journal le matin, et on fait également de la prévention. Par mon travail, j'ai une certaine autonomie. Je suis, entre guillemets, seule avec mon patient. Si je veux de l'aide d'une infirmière ou d'une collègue, soit elle vient m'aider, soit elle me renseigne, voilà. J'ai eu un début de carrière dans le BTP. J'ai pas trouvé ce que je cherchais, donc je suis allée plutôt dans une carrière dans le social. Et je me suis lancée un petit défi à 47 ans où j'ai voulu passer le diplôme d'aide-soignante. Mon diplôme d'aide-soignante me permet de travailler à domicile, à l'hôpital, avec des personnes âgées, des enfants, des personnes handicapées. On peut continuer à être formé grâce à des petites formations ponctuelles de 2 jours, de 3 jours, de 5 jours même. Et c'est toujours enrichissant de compléter ses compétences. Je pense que tout le monde peut devenir aide-soignante. Il faut aimer les gens, aimer la bienveillance. Avant de se lancer, peut-être faire une mise en situation professionnelle pour justement voir si le métier peut intéresser. On est quand même un maillon d'une chaîne et c'est important justement d'être ce maillon qui peut-être va faire toute la différence auprès d'une personne. Et si on y arrive une fois, bah c'est gagné, quoi.